Bonjour, je m'appelle Merve. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les différences et les points communs entre le turc et le français. En français, pour poser une question, il faut généralement inverser le sujet et le verbe. En turc, la formation des questions implique souvent l'ajout de suffixes spécifiques ou l'utilisation d'adverbes et d'adjectifs interrogatifs pour exprimer l'interrogation. Pour former une question, on a plusieurs méthodes. Tout d'abord, on peut ajouter un suffixe interrogatif à la fin de la phrase. Et ce suffixe dépend du verbe utilisé et peut-être l'un des suivants. Mı, mi, mu, mu, mısın, misin, musun ou müsün. Prenons l'exemple de la phrase en français. Viendras-tu à l'école demain? Que l'on traduirait en turc par yarın, tu, okula, à l'école et gelecek misin. Viendras-tu? En turc, nous avons ajouté le suffixe misin à la fin pour indiquer qu'il s'agit d'une question. Alternativement, on peut utiliser des adverbes ou adjectifs interrogatifs tels que comment, nasıl, quand, ne zaman, pourquoi, neden, qu'est-ce que, ou quel, ne, combien, kaç. Un exemple serait la phrase qui attendez-vous ici, que l'on traduirait en turc par burada kimi bekliyorsunuz. Ici, on a utilisé l'adverbe kimi, qui signifie le mot qui, pour introduire la question. En fait, on peut dire que pour une personne qui ne parle ni en français ni en turc, il est plus facile de former une phrase interrogative en français qu'en turc. Parce qu'en turc, on peut le faire de différentes manières. Par exemple, parfois avec des suffixes interrogatifs, parfois avec des pronoms ou des adjectifs interrogatifs comme en français.